Bienvenue et que la paix du Christ soit sur vous. Maintenant, je vais vous donner la raison incontestable pour laquelle un sunnite ne pourra jamais se justifier avec Genèse 17-20. La raison est d'une évidence même, la Torah est contraire à la Sunna. Lorsqu'on prend la Torah, on voit qu'Ismaël avait 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Abraham en avait 99. Donc, la promesse de Genèse 17-20 est donnée lorsque Abraham avait 99 ans et Ismaël en avait 13. Par la suite, Abraham avait 100 ans quand Isaac est né, soit un an après sa circoncision. Ismaël, donc, en avait 14. Puis Isaac est sevré, donc il atteint un âge assez grand pour arrêter l'allaitement. Estimons-le à 2 ans. Sachant que l'exil d'Agar et d'Ismaël s'est fait après le chapitre 17 de la Genèse, Isaac était déjà né. Donc, lorsque Ismaël est chassé, il avait au minima 14-16 ans. Alors que dans la Sunna, dans le Sahih al-Bukhari 3364, on y voit que Ismaël était bébé quand Agar et Ismaël ont été chassés. De plus, ils étaient accompagnés d'Abraham, alors que la Torah ne le mentionne pas du tout. Dans ce hadith, Ismaël a atteint l'âge de la puberté à la Mecque, alors que dans la Torah, il avait déjà l'âge de la puberté avant son exil lorsqu'il était circoncis. Donc, on remarque que les apologistes musulmans ont carrément mis de côté, négligé leur tradition, parce que celle-ci compromet leurs arguments. Comme je vous l'ai résumé dans ce tableau, il est évident que l'histoire d'Ismaël dans l'islam diffère considérablement de celle présentée dans la Torah. Il est notable qu'aucune référence à la prophétie ne soit présente dans le contexte islamique. Et d'ailleurs, le Coran lui-même ne fait aucune mention de la figure d'Agar, du récit selon lequel un ange aurait sauvé Ismaël et sa mère en leur montrant un puits dans le désert, du mariage d'Ismaël, ni de sa progéniture, de l'affirmation selon laquelle les descendants d'Ismaël deviendraient les Arabes, de l'affirmation selon laquelle un prophète appelé Mohammed naîtrait par sa lignée. Donc, pour conclure, le Coran ne porte aucune des allégations que les musulmans font vis-à-vis de la Torah et de Genèse 17-20, et la Sunna est en contradiction avec la Torah. Il devient évident qu'un sunnite qui va respecter sa tradition ne pourra jamais utiliser l'argument de Genèse 17-20 dans sa prédication. D'ailleurs, cette situation où le prédicateur dans la darwa doit mettre de côté un petit peu sa tradition, ça arrive bien plus souvent que ce qu'on ne le pense. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et aussi à vous abonner. Que Dieu vous bénisse.